Dans les émaux grisés remarquables, le musée expose ceux de l'un des plus grands artistes de la Renaissance, Léonard Limosin. Peintre à la cour du roi François Ier, il réalise en émaux peints colorés de nombreux portraits d'un réalisme saisissant. Ses œuvres, dont certaines peuvent dépasser plusieurs millions d'euros, sont exposées au Louvre à Paris, au Metropolitan Museum de New York et bien sûr ici, à Limoges, sa ville natale. Ce matin, l'équipe du musée installe en vitrine une pièce du maître récemment acquise, la Pietà. Une scène biblique inspirée d'un dessin de Michel-Ange. J'ai senti beaucoup d'excitation et de tension. Qu'est-ce que tu ressens au moment où tu tiens cette œuvre quand même inestimable dans les mains ? Elle est unique et donc tout peut arriver. Donc il faut être adroit. Et quand parfois on peut être un peu maladroit de nature, on est d'autant plus inquiet, attentif en tout cas.